Le monde bouge. Oui. Et toute cette activité est le résultat de chacun d'entre nous qui fait une conscience globale. Et cette conscience, elle est en crise puisque tout ne s'arrête jamais. On sème, on récolte, on sème, on récolte. On n'arrête jamais de semer. Et nous avons un monde en effervescence, de réactions, d'actions, qui se perpétuent de génération en génération. Et toutes ces actions nous reviennent comme des boomerangs. Et nous ne savons qu'en faire. Nous nous cachons, nous fuyons les situations que nous vivons. Mais il faut bien se dire que tout ça, c'est le résultat de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été conçu, de tout ce qu'on a pu comprendre et qui nous a fait faire des actions. C'est ainsi l'humanité. Et ainsi aussi, faut-il comprendre l'envergure de chacun pris dans ce piège, comment s'en sortir? Comment faire en sorte que nous ne soyons pas empêtrés dans un monde d'action, de réaction se perpétue? Toute cette activité est la crise d'une conscience. Une conscience en crise qui montre le résultat de toute une activité en crise. Cette activité, c'est notre monde, là où nous vivons, chacun d'entre nous. Toutes nos interactions se convergent de par chaque individu qui désire se proclamer être heureux, qui désire être dans son bien-être et de ne pas subir tout ce mouvement incessant de la conscience, c'est-à-dire tout ce que nous récoltons de nos actes. L'action faite par la pensée réduit le monde à un système mécanisé, une société sans cœur, où tout est mécanique, où tout se fait par compulsion, par désir, par demande égocentrique, pour que tout ce que l'on a, tout ce que l'on peut récupérer, puisse nous donner du répit. Mais c'est un leurre. Mais c'est un leurre. On ne récupère aucun répit. On récupère un cercle vicieux qui va en s'accentuant exponentiellement, centrifuge, qui nous embarque et qui nous emmène à la perdition. Seul celui qui est capable d'avoir toute son attention braquée sur sa condition et voir la futilité de tout ça pourra voir le jour, pourra voir que au-delà de tout ça, il y a quelque chose de bien plus réel. Quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse l'entendement de tout ce que nous avons pu apprendre, de tout ce que nous avons pu concevoir. Mais pour comprendre et sortir de cette ignorance que nous sommes, il faut que nous abandonnions ce que nous croyons déjà, ce que nous croyons être vrai. Nos vies sont fausses, elles ne sont pas vrai.
Elles sont faites à partir de références passées. Elles ne sont pas vécues. Le vécu, c'est dans l'instant où tout se diffuse, où tout se joue, dans l'instant. La pensée, elle récupère le passé et diffuse ce que le passé était. Et on récupère, on copie la vie qui était pour en faire notre aujourd'hui. Alors que la vie, elle n'est pas à être répétée, elle est tout le temps neuve. Cette conscience, aujourd'hui, dans le monde, est en crise. Une crise aiguë qui agite toutes les consciences. Tout homme vivant sur planète Terre subit le résidu de tout un passé. Un passé qui nous a été transféré, un héritage que nous perpétuons. Et cette perpétuation de l'héritage est le mensonge que nous avons accepté d'être. Nous avons écouté tout ça. Nous avons vu le plaisir qu'il y avait dans tout ça. Et nous avons vu combien il est bon de récupérer du passé un peu de répit pour ne plus être dans le mouvement de l'infini, du subtil, du moment présent. Nous avons récupéré des choses pour faire notre existence. Mais toute cette existence devient un mensonge. Et on se raconte de plus en plus de mensonges pour ne pas voir ce qui est justement là, présent, dans les faits, vrai. La vie est un instant sublime. Et seul cet instant sublime dans l'existence existe. Rien d'autre. Toute autre chose est illusion. L'illusion d'une vie où rien ne peut être vécu, mais espéré plus tard, dans un avenir, dans un espoir. On compte dessus un jour. Et en attendant, le temps passe. Et en attendant, la vie ne se vit pas. La vie, elle est spéculée. La vie, elle est entretenue dans le désir que quelque chose viendra. Mais cette vie qui viendra, dans le temps, elle sera toujours l'espoir de l'homme. Et dans cet espoir, pendant l'espoir, il y aura tout le désarroi de ne pas avoir ce que l'on désire. Et tout ce désir n'est pas présent. Il est présent dans la tête, dans ce que l'on en fait. Mais pour l'obtenir, alors, il y a des actions à accomplir, toute une stratégie à amener. Et c'est peut-être ça, la conscience en crise. La conscience, maintenant, elle est en crise parce que nous sommes en crise pour trouver quelque chose qui n'arrive pas. Et voilà que tout se passe ailleurs. Tout se passe hors de ce temps, hors de ce que nous avons prévu, hors de ce qui est spéculé, attendu. Tout se passe là, quand plus rien n'est attendu. Donc, cette activité d'attendre, cette activité de concevoir une vie qui n'existe pas, fait de nous les humains
des agités. On est agité constamment dans nos têtes pour trouver, pour espérer, pour avoir quelque chose qui ne sera que le désir que nous avons inventé. Pourquoi est-ce ainsi? Il faut se poser la question. Il faut se poser la question si on veut vivre ainsi, si on veut perpétuer cette vie, si on veut la donner aussi à nos enfants. Qu'est-ce qu'on aura fait de toute l'existence qu'on a si on répète seulement l'existence des autres? On n'aura rien accompli. Rien accompli et rien compris. Et on mettra un jour le pied dans la tombe en se demandant, c'est quoi vivre? C'est quoi la vie? Qui je suis? Et qu'est-ce que je fais? Cette question pertinente, elle a taraudé les esprits depuis longtemps. Tout homme et toute femme, et j'ajouterai les enfants, qui vivraient sur cette planète dans le but du désir que l'on se donne pour atteindre ce que l'on aimerait, est voué à la déception. Il n'y a rien à prendre, car tout va à la tombe. Par contre, ce que tu es, ce que la vie elle est, d'instant en instant, c'est ce qui existe. Alors peux-tu être emporté et cesser de pratiquer la conscience qui converge dans la bataille pour pouvoir avoir du répit? Peut-on abandonner toute cette activité et être soi-même, maintenant, vivre, être ce que l'on est, sans vouloir être ce que l'on aimerait? À nous d'y répondre, à chacun d'entre nous d'y répondre. Personne ne peut t'obliger. Personne ne peut te dire comment tu dois vivre, parce qu'il faut que ça vienne de toi, et toi seul est la réponse. Voilà. À bientôt.